Un transistor à effet de champ à grilles isolées est composé de silicium 2P de type P ou N. Dans le cas présent, il s'agit de silicium 2P de type P. Il existe des électrons, représentés ici en blanc, et des trous qui sont représentés en vert. L'implantation ionique est réalisée pour aboutir à deux zones d'OPN. Ceci signifie que d'autres électrons, mobiles et représentés en rouge dans le schéma, existent en plus des électrons de silicium. Après, une couche d'isolation est nécessaire. Elle est souvent un dioxyde de silicium. Sur cette couche, une couche d'aluminium est appliquée. Puis, une autre couche de dioxyde de silicium, qui contient déjà des trous gravés pour les contacts, est appliquée. Le transistor est maintenant fini. Nous avons donc un substrat du type P, deux zones fortement dopées N et des broches, appelées sources, grilles, gate en anglais, drain et substrat, qui alimentent le transistor avec l'électricité et le courant nécessaire. Sources et substrats sont généralement liés et ont donc la même source d'électricité. Le but est de réguler le courant électrique entre la source et le drain, ce que l'on obtient par la grille. S'il n'y a pas de courant à la grille, rien ne passe, étant donné l'absence de porteur de charge libre entre les deux zones de type N, indiquées en rouge. Si la grille est mise sous tension positive, un champ électrique positif se crée et attire les électrons de la couche de type P, mais repousse les trous. Les électrons forment un canal conducteur N, capable de faire circuler les électrons ou l'électricité de la source au drain. Il faut noter que l'intensité du courant entre la source et le drain peut être renforcée en augmentant la tension, ce qui génère un champ électrique plus puissant et un canal N plus important. Ce type de transistor est appelé à enrichissement, car sans tension à la grille, aucun courant ne circule entre la source et le drain.